Chers amis, bonjour. Nous sommes le dimanche 30 avril 2023. Il est 8h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Yerevan propose d'étendre les capacités de la mission d'observation de l'Union européenne en Arménie. Comme le rapporte Armen Press, donc Armen Grigorian, le secrétaire de Conseil de sécurité, l'a affirmé lors d'une conversation avec des journalistes à Djermouk. Donc la capacité aujourd'hui donc d'une centaine d'observateurs de l'Union européenne qui sont pratiquement démunis, hein. Ils n'ont pas d'armes, ils n'ont que des jumelles. L'Arménie propose qu'ils puissent augmenter donc leur nombre et puis que leur, comment dirais-je, que leur mission et leur capacité afin que ça soit donc beaucoup plus, comment dirais-je, approprié à la situation avec éventuellement des personnes peut-être armées. Donc ça c'est plutôt donc des forces d'interposition que des observateurs qui, comme des jumelles, regardez, j'ai fait une caricature donc hier, voilà, avec une jumelle, ils observent donc face les Azéris en face, ils sont armés, bien sûr, ils font des rapports, ils font des notes, mais ils n'ont rien en fait, ils servent. Est-ce qu'ils sont dissuasifs? Voilà la question. Peut-être c'est mieux que rien du tout, mais en tout cas, cette mission-là n'obéit pas vraiment à la situation sur le terrain. Voilà ma dernière caricature effectuée donc hier à ce propos-là, donc qui justifie voilà donc l'observateur de l'Union européenne dit nous sommes sans armes, mais avec jumelles, comme si les jumelles allaient servir d'armes. Bon, écoutez, on clôt le chapitre, mais en tout cas, il est vrai que ces observateurs ne sont sans doute pas adaptés à l'Arménie. L'affaire, donc la Turquie a fermé de manière inattendue son espace aérien à la compagnie arménienne nationale Fly One Armenia. Donc hier, lors du vol Yerevan-Paris, les responsables de Fly One Armenia ont appris que le ciel de la Turquie était fermé aux avions arméniens. Alors, ils ne comprennent pas parce qu'il n'y a eu aucune, comment dirais-je, aucune prévention, il n'y a aucune, comment dirais-je, aucune alerte. D'un coup, donc, ils ont fermé donc, cette liaison, ce couloir aérien au-dessus de la Turquie. Et ça pose quand même un gros problème aux avions arméniens. Donc, d'ailleurs, dans l'un des avions de Fly One Armenia, celui de Paris en direction d'Erevan, hier soir à 23h, a atterri à Chișinău en Moldavie. Donc voilà, donc on ne sait pas pour quelle raison. En tout cas, il a été dévié de sa trajectoire. Il a atterri à Chișinău et ce matin, donc, on va avoir les nouvelles si l'avion était bien entré à Yerevan. Le Premier ministre arménien Nicole Pachinian a appelé donc Anthony Blinken, le chef de la diplomatie des États-Unis, pour faire part de la situation donc, au corridor de la Chine, et le poste de contrôle construit par l'Azerbaïdjan en toute illégalité et qui bloque l'entrée entre l'Arménie et l'Artsakh, donc à hauteur du pont d'Akari. C'est compliqué, ça se complique encore davantage. Les Arméniens, les 120 000 Arméniens de l'Artsakh, depuis plus de 4 mois, sont soumis à un blocus qui commence à avoir des effets humanitaires néfastes. Voilà, donc l'épuration ethnique est là. Et Yerevan a alerté Washington une nouvelle fois. Donc l'Arménie tire les sonnettes d'alarme un peu partout. Mais il n'y a aucune réaction, il n'y a que des communiqués. Comme on a vu, bon, les observateurs de l'Union européenne sont équipés de jumelles et pas d'armes. Donc l'Arménie fait face à une armée puissante quand même de l'Azerbaïdjan qui est même surarmée et qui a fait part son désir d'attaquer plusieurs fois l'Arménie par son dictateur Aliyev. Aliyev qui était hier à Istanbul, donc il a rencontré son homologue, l'autre dictateur, donc Erdogan, qui a priori, au bout de 3 jours de maladie, il était absent, il a dû réapparaître, à moins que ce soit un sosie, hein, comme on le dit souvent. Il a signé donc, avec la compagnie Bayraktar, donc les drones, un contrat de fabrication de drones en Azerbaïdjan. Voilà, donc l'axe pantouranien est là et pleinement là. Voilà, le retour des sénateurs français du corridor de la Chine, donc voilà, Bruno Retailleau, avec une équipe de sénateurs et d'élus, s'était rendu donc à Djermouk, donc dans la région au centre de Vayotsol, et après donc de Sunik aussi, en Arménie, pour constater les dégâts causés par l'attaque azérie du mois de septembre contre l'Arménie. Un fait divers, donc c'est rare en Arménie, donc un garçon de 7 ans, vous vous rendez compte. Il a appelé la police et le 911. Il a alerté tant la police que les pompiers, que les services d'ordre, tout.
Il affirmait avoir déposé une bombe au musée, à la maison musée Johannes Thumanian à Yerevan, à 7 ans, vous vous rendez compte, qu'est-ce qu'il va devenir plus tard? Voilà, donc bien sûr, c'était une fausse alerte, mais voilà, la police et les services de secours sont délégués, ont été sur place, fouillés, et finalement, ils n'ont rien trouvé. Ils ont appris après que c'est une petite plaisanterie de très très mauvais goût. Voilà. Les Azéris ont arrêté durant 14 heures, dans le corridor de la Chine, des véhicules, des casques bleus russes, enfin des forces de paix russes, qui acheminaient des biens humanitaires depuis Gorlice vers les Arméniens de Stepanakert et de l'Artsakh. Pendant 14 heures, voilà, il y a eu des pourparlers pour que comment dirais-je, les soldats russes puissent passer avec leurs camions de frais humanitaires. Alors, ce qui est extraordinaire, c'est la Russie qui est en charge donc de la sécurité du corridor de la Chine, et c'est la Russie qui est contrôlée. Ce sont les soldats russes qui sont arrêtés par les soldats azéris au point frontalier. Les Azéris qui ont mis, comme je l'ai dit tout à l'heure, une base. Donc, c'est à l'envers, en fait. Hein. Donc, c'est-à-dire que les Russes ne maîtrisent pas réellement ce corridor de la Chine. Ils sont même arrêtés par les soldats azéris, et ils doivent justement répondre de ce qu'ils font. Voilà, c'est quand même étonnant. Voilà. Un soldat arménien a été blessé hier, donc dans la région de Sunik, près de Terre, le village de Terre, où il y a des positions arméniennes qui font face aux positions azéries, qui sont à 300 mètres à peu près. Un soldat arménien a été blessé, mais de façon non grièvement blessé. Donc du coup, mais malgré tout, cela prouve aussi que les Azéris sont là et sont capables, encore une fois, d'attaquer l'Arménie et les positions arméniennes. Sur le sol de l'Arménie, d'ailleurs, les Azéris sont installés sur le sol de l'Arménie, hein, dans la région de Terre, dans le Sunik. Voilà. Alors, que dire d'autre? Oui, c'était donc à l'ini donc hier, c'était la journée nationale de la danse folklorique, en fait, à Stepanakert, de la culture. À Stepanakert, au centre Paul-Éluard, donc le centre français, hein, Paul-Éluard, s'est tenue donc comment dirais-je, une présentation de danse folklorique arménienne d'un groupe de jeunes de Hadrout, qui est aujourd'hui occupé par l'Azerbaïdjan, donc des danses nationales qui s'est tenue, donc, et il y a eu donc un partage avec le public. Donc voilà, c'est Irina Tamrazian qui est la responsable du centre créatif pour les enfants et les jeunes de Hadrout, qui a affirmé que la journée internationale de la danse unit les personnes, relie les cultures du monde, offrant l'occasion de parler le langage de la danse. Voilà, les Arméniens sont toujours là, même ceux de Hadrout qui sont réfugiés dans Stepanakert, Askeran ou dans d'autres villes donc de l'Artsakh. Ils sont là, et puis ils ont leur spécificité régionale, cette région de Hadrout qui est à l'est, au sud-est de l'Artsakh, qui est aujourd'hui sous occupation azérie, totalement azérie. Voilà. Et puis bon, championnat du monde de gymnastique qui se déroule, Coupe du monde de gymnastique qui se déroule au Caire. Gagik Khachaturian est médaille d'argent, donc médaille d'argent de la Coupe du monde de gymnastique. Aloutune Merdinian est troisième, c'est au cheval d'arçon. Cheval d'arçon. L'Arménie a aussi une médaille de bronze, une autre médaille de bronze. Oui, ça c'est en fait aux anneaux, par Arthur Avedisian. Et Arthur Davetian, aujourd'hui, donc au saut de cheval, il aura sans doute une médaille d'or ou une médaille d'argent, on verra. Il est en finale, donc ce sera la dernière journée. Aujourd'hui, c'est au Caire, hein, en Égypte. Voilà. Mes amis, donc j'ai fait le tour de l'actualité. Voilà, mes amis, écoutez, je vous donne rendez-vous à demain. Bonne journée.